Cette vidéo peut être visionnée en 4K. Ah, ça me fait tellement plaisir de dire ça, enfin. J'attendais le jour de faire une vidéo et te l'annoncer. Enfin, tu peux scroller et mettre 4K, la grosse qualité de YouTube. Mais sinon, toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Petite vidéo cool aujourd'hui, on va parler de mes investissements que j'ai fait pour cette chaîne, mais aussi pour moi, pour mon travail, de ma shape. Parce que oui, comme tu le sais, je me suis préparé pour mes examens qui arrivent bientôt. Et j'ai pas mal séché et on va voir ça ensemble, ce qu'on a amélioré ou pas. De faire le point sur les examens qui suit juste après ben, ma shape que j'ai. Et puis à la fin, on va parler des programmes de sport que je vais faire sur la chaîne. Histoire de voir ce qu'on va faire pour t'aider à t'améliorer, progresser, évoluer. Parce que c'est important. Niveau investissement, on est sur du lourd. On est vraiment sur du lourd. J'ai investi dans un MacBook Pro avec la puce M1 Pro. D'accord? C'est un MacBook Pro super puissant, que ce soit pour les montages vidéo, pour les photos, pour tout le bordel, pour la 3D. Ok. Il me fallait une machine de guerre. D'accord? Il me fallait une machine de guerre pour pouvoir monter des vidéos de qualité sur cette chaîne, mais aussi pour mes clients. Parce que comme tu le sais ou tu le sais pas, je suis vidéaste professionnel. J'ai une entreprise dans la vidéo et je dois bosser pour mes clients et faire un bon travail pour eux, fournir un travail qualitatif. Et pour ça, il me fallait une machine de guerre parce qu'avant, j'avais un PC Asus Gamer que j'ai toujours d'ailleurs et qui a ses limites, tu vois, qu'on voit que le temps, il fait vieillir, ok? Et du coup, niveau effet et tout, c'est très compliqué à l'utiliser. Donc, il me fallait un ordi surpuissant. Donc, je me suis bien ruiné pour acheter mon MacBook Pro. Mais je te cache pas, c'est assez dur pour le moment parce que voilà, ça fait 2 jours que je l'ai à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'apprends le montage sur Final Cut Pro, d'accord, qui est le logiciel de montage pro Apple. Et franchement, c'est dur. C'est dur parce que j'ai plus aucun repère. J'ai jamais eu de Mac. Je suis dans l'écosystème Apple, c'est-à-dire iPhone, iPad, tout, mais Mac, c'est pas pareil. Je pensais que ça allait être pareil, mais c'est pas pareil. Faut tout réapprendre, ça prend du temps, mais ça va, ça commence à rentrer assez vite. Et dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je vais devoir forcer à apprendre, à faire les choses bien. Et j'en ai besoin, d'accord, pour dynamiser mon contenu, mais aussi l'entreprise. Comme tu le vois aussi, au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau des miniatures, on essaye de faire les choses bien, on essaye de passer un cap au-dessus, de professionnaliser un peu tout ça, parce qu'on a 10K d'abonnés à atteindre, et pour la fin, il faut au moins 30K, d'accord? Pour janvier, on arrive à 30K, c'est important. Mais je te cache pas, niveau investissement, pour ce mois de janvier, on est incroyable, d'accord? Parce que la première vidéo de 2022, c'était dans le setup, dans mon ancien setup, dans cette chambre-là, là, où j'avais mon ancien canapé. Là, tu vois, on a un nouveau canapé, on a un nouveau décor derrière, on a un nouveau bureau, on a un nouvel ordinateur. Donc, franchement, janvier, ça a vraiment été le mois où je pense que je dépenserai le plus de l'année, clairement. Soit je gagne au loto, je sais pas ce qui se passe, mais le mois de janvier, il était incroyable. On a bien dépensé. Et là, on va rentabiliser et on va charbonner pour le mois de février, clairement. Niveau physique, je te cache pas, je suis très content. Je suis vraiment content parce que j'ai bien séché. Alors, au début, je voulais partir vraiment sur une sèche où voilà, je contrôle bien ce que je mange, je perds du poids, je deviens maigre et tout. Mais au final, j'ai changé d'avis, d'accord? J'ai changé d'avis et je sais que j'allais vraiment pas m'aimer. Donc, j'ai abandonné la diète, entre guillemets,
Mais je cours toujours, et je cours beaucoup, fractionné et tout. Ça veut dire que même si je mange, on va dire ce que je veux, c'est que je contrôle beaucoup ce que je mange, et ben je perds, on commence à avoir les abdos, on commence à être bien, d'accord? On commence vraiment à être bien. J'ai fait une séance à la salle, j'ai fait un petit full où j'ai bossé un peu le dos, un peu les pecs, un peu les bras. Et là, franchement, on voit la différence. On voit vraiment la différence. Comparé à avant, avant les examens, on voit vraiment la différence. Là, je commence à être bien et je suis content. Mais quand je vois ma condition physique comme ça, je me dis, j'ai envie de faire une sèche quand même, tu vois. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de pousser un peu plus loin, voir mes abdos d'avant. Mais je sais que voilà, cette condition-là va ramener un physique que je vais pas aimer, va ramener à des bras qui seront fins, des épaules petites, moins de pec. Mais voilà, c'est un risque à prendre. Mais là, j'estime avoir une belle condition physique, j'aime bien ma condition physique. D'ailleurs, j'ai une condition pour faire des photos et des vidéos, donc il faut que je balance pendant que je suis encore potable. Mais je suis content, je suis vraiment content. Et si on part dans une base comme ça en janvier, pour l'été, je pense qu'on va être très très bien, je pense. Bon, niveau entraînement, ça va, d'accord? On a la formation, je m'entraîne à la formation, je m'entraîne aussi à la salle. Je fais attention de ne pas faire du surentraînement. Mais mes entraînements, c'est beaucoup, je fais quoi? Je fais trois exercices pec et je vais courir une heure et demie, d'accord? Je fais un exercice bras et je vais courir. En gros, je vais juste à la salle pour courir, tu vois? Je m'entretiens un peu pour congestionner et je vais courir. Parce que voilà, j'ai l'épreuve des 3 km en moins de 14 minutes et c'est très compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc j'essaye de m'habituer à courir, d'habituer mon corps, mon cœur à courir. J'ai fait de gros progrès, vraiment de gros progrès. Je tiens plus longtemps. Tiens, sur le tapis, j'arrive pas à faire 14 minutes en moins de. Enfin, 3 km en moins de 14 minutes. Mais je cours mieux, je me sens mieux et je me rapproche petit à petit à chaque fois. Et je sais que tapis, c'est beaucoup plus dur que sur le terrain. Mais il faut que j'arrive à le faire sur tapis pour être vraiment à l'aise sur le terrain. C'est mon objectif. Au niveau des examens qui arrivent et tout, ben, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien, serein, pas trop de stress. Bon, légèrement, tu vois, légèrement, tu vois, tu as le stress positif de l'examen pour dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater et tout. Voilà. Mais après, voilà, moi c'est un délire. Moi c'est juste que parce que j'aime bien les concours. J'aime bien les concours, j'aime bien les tests, j'aime bien le taf aussi. Mais qu'on soit pas pris, le résultat pour moi sera le même, tu vois. Parce que j'ai mon entreprise, j'ai la chaîne, j'ai plein de choses à accomplir. Donc voilà, on vient pour le kiff, on vient pour se faire plaisir, mais on vient pour se donner à fond aussi. C'est important. Test de lecture, compréhension bientôt. Et si on réussit, test physique. Par contre, si on ne réussit pas le test de lecture, salut. D'accord, c'est terminé, il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas, il a été gentil à la formation. Donc, non, c'est salut, c'est viré. C'est. Même si tu es venu à tous les cours, même si que tu es le plus sérieux, même si que tu rapportes des chocolats au formateur, si tu ne réussis pas, tu ne réussis pas. D'accord? C'est comme ça et c'est très, très strict. Donc on va s'en donner les moyens, on va essayer de contenir du stress positif et faire les choses bien par rapport à ça. Et juste après, bah, on va se préparer encore pour les tests physiques, se donner à fond, et après pour tout ce qui est entretien, présentation personnelle, parcours et tout pour toucher ce métier convoité. Bon, ensuite, c'est les programmes, hein, les programmes, les frérots, les programmes, la partie la plus attendue, ok? Alors pour les programmes, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Déjà, la série de poids de corps que je fais, programme en 3 jours. Enfin, c'est pas que du poids de corps, mais j'aime bien, d'accord? 100 répétitions barre Z, 200 répétitions pompe, 300 abdos. Je compte en faire encore plus, d'accord? Peut-être passer à 200 répétitions à la barre Z, histoire de s'entraîner différemment, d'accord? Je sais que pour une prise de masse, bon, c'est pas productif de faire 200 reps à chaque fois ou 300 reps à la barre Z à chaque fois, mais c'est des programmes d'entraînement qui peuvent te faire du bien, qui peuvent t'aider à te dépasser, à te surpasser. Et c'est des programmes que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'amener sur la chaîne. Donc je pense que c'est une chose auquel je vais me penser, enfin je vais me pencher, pardon, et évoluer sur ce sujet-là.
Je réfléchis encore à la playlist programme type numéro 2, V2, avec plus d'exercices, un programme qui va faire mal, un programme vraiment pour les soldats, pour ceux qui en ont marre de faire le programme type 1, qui ont presque plus de sensations. Parce que oui, un programme peut être obsolète si ben, tu le fais pendant 5, 6 mois et après, voilà, tu fais tout le temps la même chose. Donc il faut que ton corps s'habitue, il change. Et moi, j'aimerais apporter ce changement. Mais je suis en train de réfléchir à m'organiser au niveau temps et tout. Parce que voilà, avec la formation, c'est compliqué. Et faire un programme bien hard et bien puissant par rapport à ça. Mais je vais pas te mentir, pour le faire, je vais attendre, je pense, la fin de la formation, d'accord? De toute façon, ça finit bientôt, dans 2 mois c'est fini. Donc, à part si je suis éliminé avant, ben, je vais commencer avant. Donc, voilà, on va faire ça bien. Toi, si tu as des idées de programme, d'accord? Si tu as des suggestions de programme, dis-le moi. Parce que je rappelle une chose, mes programmes types et beaucoup de programmes sont lancés grâce à vous. Sont lancés grâce à l'engagement et l'échange qu'on a dans cette vidéo et dans toutes les vidéos qu'on a sur la chaîne. Quand je demande quelque chose, ben, en général, j'ai plein de remarques et plein de suggestions qu'on me fait et qui m'aident. Vos suggestions font des vidéos parfois. Et en grande majorité des cas, ben, toutes les vidéos, c'est pratiquement des personnes qui m'ont dit, ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. J'ai beaucoup de demandes, d'accord? Et moi, je prends les plus pertinentes à ce sujet. Donc, je me dis que voilà, on va faire ça bien. On va faire ça bien et ça peut être cool. Donc, ton commentaire serait le bienvenu pour la suggestion d'un programme. Je sais aussi qu'on me demande des programmes en salle de sport. Je sais les mecs, vous êtes pressés. Vous êtes vraiment pressés. Mais le problème, je le dis tout le temps, mais je le redis tout le temps, j'ai pas assez d'abonnés les gars. J'ai pas assez d'abonnés pour voir un gérant de salle et lui dire, ouais, laisse-moi la salle, s'il te plaît, pour faire des vidéos. D'accord? Parce que voilà, déjà, j'ai pas les thunes pour négocier ça. Ok? Enfin, j'ai les thunes, mais faut que je le fasse pour un truc qui me rapporte clairement, comme mon Mac ou comme ce setup pour faire des vidéos. Mais pour faire des programmes en salle, voilà, non, ok? Parce que je t'explique, une salle de sport, ça marche avec la communication, d'accord? Clairement. Demain, j'ai, je sais pas, 30, 40 000 abonnés. On parle de moi, je sais pas, partout. Je suis égérie Gymshark, MyProtein. On sait jamais, d'accord? MyProtein, c'est déjà fait. Je vais voir la salle, je leur demande est-ce que je peux avoir la salle pour faire des programmes. On va me dire oui, direct. Mais le mec qui est assis dans sa chambre en train de faire des vidéos que personne ne connaît, non. Malheureusement, non. Moi, je te dis, même une petite box, une box fitness où il y a tout, du moins des machines qu'on est susceptible de trouver en salle, et ben j'y vais, direct. J'y vais et je fais le job, clairement. Moi, je te dis ça parce qu'il faut que tu me comprennes. Il faut que tu me comprennes sérieusement. C'est comme ça, d'accord? Si t'es pas abonné, abonne-toi, d'accord? Like, partage à tes amis, comme ça on est plus vu et ça va se faire. Parce que j'ai vraiment envie de le faire. Personne ne l'a fait encore et moi, je vais être le premier à le faire. J'ai vraiment envie d'être le premier à le faire, de faire un programme complet, gratuit, en salle de sport. Où on est là, je te parle tranquillement, on fait notre séance ensemble. À la salle, séance pec, séance bras, séance épaules, séance dos, séance jambes, on fait tout ça en salle de sport. Comme ça, toi, quand t'es à la salle, tu sais pas quoi faire, hop, tu fais une séance avec Dams, t'es bien. Et aussi, je voulais repartir sur une playlist beaucoup plus travaillée cette fois-ci, en 4K, de mes programmes en salle de sport. Je sais que je l'ai commencé et je l'ai pas placé en playlist. Les vidéos, elles se baladent sur ma chaîne, mais je vais faire une playlist là, tout de suite, sur mes programmes en salle de sport. Je vais refaire ça, enfin refaire parce que j'ai plein de programmes. Hein. En plus travailler avec des trucs cool, avec des images, tu vois. En fait, le truc, c'est que là, j'ai un nouvel ordinateur où je peux te faire des trucs de fou. Je peux te faire des dingueries. Et je vais t'en faire, d'accord? Parce que là, on est dans la partie annonce et tout, là. Mon programme, mes programmes à la salle, je vais les refaire. Sachant que mon passe. Vaccinal, ça s'appelle comme ça maintenant, un passe vaccinal. Il est bon jusqu'en avril, donc après sera terminé les mecs, ça sera fini. Donc voilà, je voulais te faire ça avant avril. Ma grosse playlist, comment je m'entraîne en salle de sport, on va faire ça bien, on va faire ça bien.
C'est une playlist qui a bien marché, qui a bien aimé, qui est bien sur la chaîne. Donc on va refaire ça. Aussi, j'avais tenté un format vlog immersion sur ma chaîne. J'avais tenté, mais je te cache pas, c'est dur. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le refaire. Je sais pas, je t'emmène avec moi quelque part. Je t'emmène avec moi. Bah après, le problème, c'est que moi, je suis pas le genre de mec qui va parler dans la rue avec une caméra devant tout le monde. Tu vois, je suis pas le genre de mec parce que j'ai que des grosses caméras. Mes caméras, elles attirent l'œil. Après, on me regarde, on me prend pour un fou. Tu peux me dire, ouais, mais le regard des gens, on s'en fout. Pour l'instant, j'arrive pas. D'accord? En salle de sport, je peux le faire. Je peux parler avec toi. Mais en salle de sport, on a un autre problème, c'est le copyright. D'accord? Moi, d'accord, je fais des vidéos sur YouTube, on est monétisé, c'est bien. Mais le copyright, ça fait chier. Clairement. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux qu'on s'arrange. D'accord? Je vais te faire un vlog, mais je vais te monétiser aussi. C'est important. Donc, le format vlog, je vais le faire, je vais le refaire. Mais faut que j'y réfléchisse à comment je vais l'adapter pour qu'on puisse le regarder ensemble et être bien. Parce que comme je t'ai dit, je peux te mettre des titres, je peux te mettre des trucs de fou sur les vidéos sur YouTube. Donc là, à partir de maintenant, là, la chaîne, elle commence, ok? Je sais plus on a combien d'abonnés, mais la chaîne, elle commence à partir de là. Mais sinon, voilà pour cette vidéo. Moi, je compte toujours faire 3 vidéos par semaine, voire un peu plus quand il y a des jours où je rate des vidéos. Mais rester à 3 vidéos par semaine minimum, histoire de bien avancer, arriver à 10K rapidement. Essayer de rentabiliser un tout petit peu avec YouTube tout ce que j'ai acheté. Parce que oui, là, je me suis vraiment mis dans le mal, clairement. Peut-être que je parlerai un peu de l'iPad Pro, retour après expérience ou des specs. Ça peut intéresser des gens, on sait jamais. Et puis voilà, hein. Puis voilà, on va continuer à bosser, faire des programmes et te faire kiffer pour qu'on évolue ensemble, ok? Si t'aimes cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Rejoins le lien Discord qui est dans la description. Et aussi sur MyProtein, d'accord, ça c'est important, MyProtein. T'as mon lien, tu peux aller dessus, d'accord? Faut aller sur mon lien, c'est important. Tu vas sur mon lien, tu commandes et on est bon. Parce que MyProtein, tu vois, là on a rigolé, ok? On a rigolé, mais je le redirai dans une autre vidéo. On a rigolé, mais là, cette année, on va leur montrer qui on est. D'accord? À tous mes soldats qui me suivent, MyProtein, on va leur montrer ensemble qui on est et on va être bien. Parce que là, ils invitent tout le temps les mêmes personnes, mais nous aussi, on va être invités, on va aller loin. Ok? Et ça, c'est grâce à vous, c'est important. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi, parce que si vous n'étiez pas là, MyProtein, bah, ils m'auraient jamais vu, clairement. Donc, merci à vous. Maintenant, c'est à moi de bosser. Ok? Et moi, juste à te dire porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.